Avant-hier, je vous ai présenté le pain blanc, un des sucres parmi les plus invasifs. Hier, j'ai mentionné la pomme de terre. Aujourd'hui, je vais ajouter les cornflakes et le riz blanc. Et le sucre blanc, allez-vous me demander, vous l'avez oublié? Non, 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 non. Mais aussi curieux que cela puisse vous paraître, ce n'est pas le plus invasif. Hein, on parle du sucre blanc, le danger, etc. Oui. Alors, comment peut-on savoir, comment on mesure le pouvoir d'invasion d'un glucide? Puisqu'on ne sait pas très bien quelle est la solution. La réponse, elle est aujourd'hui connue. Il s'agit d'un outil qu'on appelle l'index glycémique. Cet index mesure l'arrivée dans le sang du glucose après ingestion de l'aliment attesté. Manger, digestion, désintégration, assimilation, passage dans le sang. Et à ce moment-là, on compte et on voit la vitesse, la force de pénétration. Il en ressort un indice chiffré qui est compris entre 0 pour des aliments qui ne contiennent pas de glucides jusqu'à 100 qui est la limite supérieure, c'est celle du glucose. Notre glucose, si on le prenait, si on buvait, ça existe, on fait des bonbons au glucose quand on donne aux enfants, malheureusement, voilà. C'est la vitesse maximale. Alors on peut comparer la valeur de cet indice à la vitesse d'une voiture qui irait de 0, donc à l'arrêt, jusqu'à 100 km à l'heure. Ça se situe entre ça et ça. Si le glucose est à 100, la pomme de terre au four ou frites est à 95. 95, on est proche du glucose. Les cornflakes sont à 85, comme la farine blanche. Et le sucre blanc à 70 seulement, comme le riz blanc. Voilà, la suite demain. Pour aujourd'hui, si vous pouvez vous passer déjà de ces 6 têtes de liste, j'en serai content.